dans la rue du voisin. Ces gentilles manières attiraient les passants. On les met à l'extrême, ses yeux de buis d'amour. Sa peau douce comme la crème et sa bouche bimour. Et du soir au matin, dans son petit magasin, elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut. Dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban. En servant tous les clients, elle tréboutait gentiment. Allez voir quand elle sautait cette petite brioche au lait. Et les poteaux. Très belle réplique de Toulon. Après le grand plageur, on ne trouve pas encore la touche. Et la balle a été reprise par Iras Torza, le demi-mêlée de Toulon qui a donné suite pour lui-même. Razak est battu là-bas et Toulon va aller. Thank you.
Exactement. Du bonheur à l'entraînement aussi. Ils s'amusent tous, titulaires, remplaçants, sous l'œil indulgent de leur entraîneur, le grand prof et ses grands élèves en quelque sorte. C'est respirer, on maintient ton respiration, on remonte. Jérôme Gagnon, la poussée est toulousaine et le ballon sera toulonnais. Oui, pour Kovy, attention au drop. Non, Kovy préfère jouer bien. Fournier qui va laisser entre les poteaux. Remarquable, remarquable, superbe. Magnifique feinte. 7-0 maintenant pour Toulon. Magnifique feinte de passe et de corps qui a mis tous les défenseurs toulousains dans le vent. Et c'est une formidable combinaison qu'il y a eu alors que les Toulousains pensaient au drop goal peut-être de Kovy. De Rouget, de Kovy, c'est bien ça. Et c'est Fournier qui est venu se mêler de la fête. Et on le voit ici transpercer le contre. Et là, il est sorti. Gagnon, rejoue de contre. Oui, Carbonel a pu passer à Fournier, qui tape à suivre. Carbonel, Jenny. Oh là, Gagnon va marquer. C'est de Gagnon. Et c'est de Gagnon. Et Toulon, tout le monde. La bonne récupération de balle toulonnaise. Gagnon pour un essai et Gagnon a retrouvé ses jambes si tant soit qui ne s'est jamais perdu. Regardez Gagnon, première action il donne. On fixe deux contreurs, coup de pied à suivre de l'ailier Fournier, celui que vous avez vu au début de match. Le rebond va être favorable à Carbonel. De Toulon.
le plus beau jour de votre vie? Allez. Ah, je sais pas, ça y ressemble quand même. Enfin, c'est sûrement des grands jours de ma vie. Hein. Je suis tellement investi dans ce jeu avec, avec tous mes partenaires de travail, avec toute cette ville de Toulon tellement folle derrière nous. Que bon, moi mon bonheur il a duré 5 minutes, mais il a été très intense. Bon, maintenant je sais que quand je serai triste le soir, je crois, j'aurai toujours ce moment de souvenir. Hein. Mais je suis tellement content pour cette ville de Toulon, pour tous ces supporters. Vraiment, c'est un truc fantastique. Dernier match, certainement très déçu. Oui, déçu, déçu parce que bon, on avait la possibilité de toucher le bouclier et de terminer en beauté. Bon, ça ne se fait pas, mais il n'y a rien à dire. Je crois qu'aujourd'hui, l'équipe la plus forte est gagnée. Je crois que c'est une équipe qui a très bien entrepris, qui a été la plus dynamique et elle mérite son titre. Avant le match, nous avons discuté, nous avons dit qu'il faut garder son âme. Je crois que les Toulonnais l'ont gardé et nous, nous l'avons gardé. C'est ce qui a fait, je pense, une super finale. C'est la victoire de rugby? Oui, je crois que c'est une grande victoire du rugby, il n'y a qu'à voir. Je crois qu'il y a depuis longtemps qu'on n'avait pas vu un stade aussi comble, aussi enthousiaste et avec une, je dirais peut-être la meilleure finale qu'on ait pu jouer depuis un certain temps. Ich träume und die Welt erzittert. Par Yann Delegue. Avec le culot de ses 19 ans, lui qui passera son bac dans un peu plus d'une semaine. C'est bien, faut dire que toutes ces phases finales ont été admirablement bien arbitrées, mais faut dire que les joueurs y ont mis aussi beaucoup de bonne volonté. Oh, une très grosse domination toulonnaise qui va se concrétiser par un essai. C'est bien fait. Et c'est de retour. Oh, c'est que bien c'est fait. Joli, que c'est bien fait. Magnifique. Oh, il y avait un surnombre de la part des attaquants. Comme il fallait le faire, personne n'a gardé trop le ballon, personne n'a voulu non plus jouer au pied. Et on revoit ici avec Loubé. Loubé, et c'est l'infiltration ici de Delegue. Et la balle est reprise par le capitaine Trémouille. Et c'est son copain Repon. Oui, Jean-Christophe Repon. De la Valette. Oh là là, quelle belle action de Toulon.
Club emblématique du rugby français, même s'ils sont descendus, qu'ils ont connu quelques années difficiles, ils sont en train de remonter, ils sont en passe de se qualifier et de monter directement. Bon, mais je crois que géographiquement c'est important d'avoir un grand club ici dans cette région. Il l'était auparavant, souhaitons-lui de le redevenir, parce qu'encore une fois, on a besoin géographiquement d'être implanté un petit peu partout, et qu'un club d'élite ici est certainement nécessaire en matière de communication et tout pour notre sport. Et puis encore une fois, c'est vraiment une ville qui a une âme rugby, une région qui a une âme rugby, et ça c'est dommage.
revue sur un terrain de rugby depuis la Coupe du Monde 2007. Bernard Laporte revient dans le top 14. Mourad Boudjelal voulait trouver un nouveau manager rapidement, c'est désormais chose faite. Bernard Laporte succède à Philippe Saint-André qui prend les rênes du 15 de France. J'ai 47 ans, je me suis dit, bon, mais à le faire, il faut le faire maintenant, parce que peut-être que dans quelques années, j'en aurai peut-être plus d'énergie et plus d'envie. Voilà, je dirais que cette sollicitation, cette proposition m'a à nouveau réveillé la flamme du rugby que j'avais en moi et que j'aime l'action quelque part. Et que je me dis, voilà, c'était certainement le moment. Depuis 2007, Bernard Laporte a eu un parcours mouvementé. Secrétaire d'État au sport jusqu'en 2009, il intègre un an plus tard le conseil d'administration du club de Bayonne et quitte ce poste prématurément en février dernier. Il réapparaît au printemps, cette fois au Stade français. L'ancien sélectionneur du 15 de France entre dans le capital du club avec un repreneur canadien, mais ce dernier ne verse pas les 12 millions d'euros promis et Bernard Laporte est victime d'une escroquerie. Le nouveau manager de Toulon s'engage pour 2 ans. Hasard du calendrier, c'est face au Stade français que Bernard Laporte débutera avec le RCT. Fofana, attention à lui, où est-ce que Fofana, il a pu se lancer là entre deux joueurs toulonnais, il est repris finalement, le ballon conservé, bien arraché la part de l'essai, ça c'est un ballon d'essai, il va y aller, il va aller à la course, il est dans la part du tel, qui marque, Rodgers, derrière sur le coup, et cet essai en compte de l'anglais Mellon Armitage, son 14e essai en Coupe d'Europe, son 4e cette saison. Oh, c'est la folie furieuse à Bayonne, parce que Toulon va avoir l'opportunité de passer en tête dans cette finale avec la transformation à suivre de Johnny Wilkins. C'est sans doute la concrétisation de la séquence de jeu là, la plus longue dans ce match. Il y a eu des pertes de balles de part et d'autre, avec notamment Wesley Fofana qui est venu au milieu du terrain. Et ensuite, le bon combat dans l'axe. Cornet-Jobé qui lève la tête, qui récupère ce ballon. Qui très vite, alerte Mellon Armitage. Repositionné à l'aile. Vous voyez, dans l'axe, à la régulière. Irlandais, ils sont 3000 Toulonnais à avoir fait. Williams, Wilkins,
Ritz. Lui aussi a pris Ritz. Farrell avec le passeur de foot de la balle. Pour Smith, c'est un peu à l'intérieur. Il y a un coup gagnant. Tiens, il y a un le temps. Magnifique. Sur ce match, premier essai en Coupe d'Europe en 9 rencontres et c'est mérité pour ce joueur et tout le monde. Toulon et Johnny Wilkinson, champion d'Europe 2014, comme l'an dernier, quel est magnifique. Cette image de Sir Johnny Wilkinson, Johnny B. Cobb, l'ange blond, pied d'or, tous les superlatifs lui vont à mettre à Johnny Wilkinson qui a encore conduit son groupe vers les titres européens cette saison. Toulon, comme l'an passé, remporte cette magnifique. C'est une surmanité pour Johnny Wilkinson. Qui peut ramener Toulon à un point et il le fait. Sir Johnny Wilkinson rapproche. Il est récupéré là par Stéphane Armitage. Le drop de Johnny Wilkinson face au perche. L'ange blond au pied d'or de Toulon permet au FCT de reprendre l'avantage dans ce match. 12 à 10. 5 minutes de cette finale. Dylan Armitage s'élance, c'est parti pour le buteur anglais, c'est bien parti, il y a la distance, il y a la précision et Toulon prend 8 points d'avance. Encore une fois, le réalisme du FC. Se dégage, c'est le titre de Toulon. La sortie par la grande porte de Johnny Wilkinson, le bouclier de Brennus, 22 ans après, va revoir la parade. C'est un double doublé de H-Cup. H-Cup top 14. Ils sont galactiques, ils sont fantastiques. Toulon est champion de France. Minutes de plus.
And on a day dominated by French teams, out they come. Accompanied by a largely French crowd. And an anthem written by a Frenchman as well. Jean-Michel Jarre's Industrial Revolution. Goosebump time. Qui sert à hauteur. On est passé. C'est Mitchell qui est passé car il se tape la carte. Oh, l'action! Le numéro de Drew Mitchell. Quel essai fantastique de l'ailier de Toulon. Il a battu trois défenseurs sur cette action. Et il inscrit le deuxième essai de Toulon à 10 minutes de la fin de cette finale. Nouveau break pour les Rouges et Noirs. 24 à 18. Quatre phases finales et une seule défaite en phase finale, c'était contre Perpignan en 2011. Depuis, ces hommes-là enchaînent. Carleman a le trophée en main. Toulon se succède. Toulon, champion d'Europe 2015 pour ce nouveau trophée, hein, New Look. Et bien, il retourne encore sur la rade et cette équipe toulonnaise enchaîne un troisième titre consécutif, ce qui n'avait jamais été fait par aucune équipe. Alors il y avait bien sûr eu des back-to-back comme on dit, hein, ici. Le Leinster avait réussi cet exploit, les Tigres de Leinster également, mais jamais, jamais une équipe n'avait réussi à le remporter à trois reprises. Tout simplement parce que vous êtes différent et qu'on voulait vous ressembler. Mais c'est pas facile de vous ressembler. Et après 5 ans passés ici, gardez ça. Gardez le fait d'être différent. Parce que tout le monde vous jalouse. Et tant qu'ils vous jalouseront, c'est que ça ira pour vous.